L'attitude, retenez pour la vie s'il vous plaît, l'attitude d'une personne dépend de ce qu'il écoute. L'attitude d'une personne est attachée à ce qu'elle écoute. Ce que la personne écoute détermine son attitude. Pourquoi est-ce que Marie était calme? Est-ce qu'elle était paresseuse? Non. Mais Marie était calme parce qu'elle avait l'habitude d'écouter Jésus. Et la parole du Christ avait rempli la quiétude dans l'âme de Marie. Ce qui fait que même quand Marie constate un besoin, elle ne s'agite pas. Lorsque tu as l'habitude d'écouter le Saint-Esprit, c'est ça la bonne part, écouter le Saint-Esprit. Lorsque les problèmes arrivent, tu ne t'agites pas. Lorsque tu as l'habitude d'écouter le Saint-Esprit, et même si la mort arrive, tu ne t'agites pas. Même avec les larmes, tu restes calme. Pourquoi? Parce que celui que tu écoutes crée des attitudes en toi. Celui que tu écoutes forge des attitudes. Celui que tu écoutes te modèle, que quelqu'un me dise modèle. Celui que tu écoutes te façonne. C'est comme ça qu'on pouvait dire à certaines personnes après leur conversion, mais comment tu as changé? Comment tu es devenu plus doux? Comment tu es devenu plus calme? Où est passée ta colère? Celui qu'elle a l'habitude d'écouter, donc le Saint-Esprit, a modélé son caractère. Il y a certains